Et bienvenue à la Tour de Salvani pour le départ de cette cinquième étape. Départ avancé sous ordre préfectoral et on annonce la canicule dans l'Ain et dans la région de Lyon. Donc la préfecture a demandé à l'organisation d'avancer le départ à 10h30, ce qui a bouleversé un petit peu toutes les équipes et bien entendu l'ensemble des dispositifs. Donc départ pour une étape qui ne sera pas raccourcie contrairement à celle d'hier. On va tout de suite voir le parcours de ce 59e Tour de l'Avenir. Vous savez que tous les jours désormais, le sommaire de l'émission débute avec cette présentation et la moitié de ce Tour de l'Avenir qui s'est déjà effectué. Nous étions en Bretagne à la Gacilie le premier jour, arrivé à Chinon en provenance de Nozay le deuxième jour. Le contre-la-montre par équipe qui a vu le Danemark s'imposer. L'étape d'hier, donc Aigurande et Volébain en Creuse. Et aujourd'hui, nous retrouvons le Rhône pour un départ à la Tour de Salvani et l'arrivée donc du côté du lac d'Aigbelette. Nous présenterons l'étape tout à l'heure avec Bernard Hinault. Et puis le week-end alpestre, le col de la Loze demain, le contre-la-montre des Carélis, la montée du Mont-Cenis samedi. Et l'Iseran en juge de paix de ce 59e Tour de l'Avenir dimanche après-midi. Tout de suite, je vous propose de revivre ce qu'il s'est passé hier entre Aigurande dans l'Indre et Volébain en Creuse. Le résumé de cette quatrième étape, départ donné donc aux coureurs de ce Tour de l'Avenir qui s'est lancé normalement pour 150 km, étape qui a été ramenée à 133 km. Et dès le départ, étape plus courte, étape nerveuse, des attaques dès les tout premiers kilomètres qui ont projeté deux coureurs à l'avant, Arnaud Tandon, le coureur suisse, accompagné de Lucas Lopez, le coureur portugais, les deux hommes qui ont compté jusqu'à 3 minutes d'avance sur le peloton, mais les équipes d'Allemagne, d'Italie et l'équipe du leader, l'équipe du Danemark ont contrôlé la situation, on va dire relativement facilement tout au long de la journée. Arnaud Tandon et Lucas Lopez, donc les premiers attaquants qui vont faire un long chemin ensemble, alors que derrière le peloton sous la chaleur et les coups de boutoir des leaders a perdu beaucoup d'éléments. À l'avant, Lucas Lopez était décroché à un peu plus de 40 km de l'arrivée. Arnaud Tandon repartait seul, mais le peloton allait maîtriser le coureur suisse avant l'entrée sur le circuit final des Volébains et la côte du Châtelet qui était importante bien entendu pour les leaders. Derrière, l'écrémage se poursuit. De nombreux coureurs qui ont terminé très tard hier soir, dont le maillot jaune Carl-Frédéric Mévort qui a rendu les armes dès la première ascension de ce Tour de l'Avenir. Au passage sur la ligne à 17 km de l'arrivée, c'est un Néerlandais, Pepit Reinderriks, qui tentait sa chance. Et tout de suite derrière, on voit le contre de Garcia Del Toro Romero, Isaac Del Toro Romero, qui est revenu dans un premier temps sur le coureur néerlandais. Les deux hommes donc partis à l'assaut du circuit final, un peu plus de 15 km autour des Volébains. Les deux hommes donc qui ont longtemps résisté au retour du peloton. Voilà le champion des Pays-Bas, accompagné du coureur mexicain, l'un des outsiders de ce Tour de l'Avenir qui repart seul dans l'ascension du Châtelet. Mais regardez, derrière surgit un Suisse. Nous avions Yann Christen hier matin sur notre plateau. Eh bien, c'est le grand frère qui vient s'imposer donc au terme de ces 133 km. Fabio Christen, le vice-champion de Suisse Espoir, qui s'impose sur cette quatrième étape. Beaucoup d'émotions d'ailleurs hier soir du côté des Suisses. On voit Yann Christen, le frère du vainqueur, qui lève les bras au milieu du peloton. Et si l'on regarde ce matin donc le classement général, un Danois en chasse aux notes, c'est Simon Dalby qui est désormais maillot jaune au terme de ses quatre premières journées. Riley Pickrell, le Canadien, est maillot vert. Loïc Bettendorf, que nous aurons dans quelques minutes à nos côtés, est le meilleur grimpeur de ce Tour de l'Avenir. Et Simon Dalby est également maillot blanc par procuration. C'est Mathis Rondel qui porte ce maillot. Voilà, vous connaissez la tradition, nous avons une séquence territoire qui va débuter dans quelques instants. Nous sommes à la Tour de Salvani. Nous allons accueillir Gilles Pillon dans quelques instants à nos côtés. Quite simply, he must go faster than most think he can. Now Bernal goes in the yellow jersey. Bernal rounds the ball. Oh, look at
Et juste avant d'avoir nos élus de la Tour de Salvani, on va saluer la société Vitabri, Emmanuel Messner qui nous a rejoint. Bonjour Emmanuel. Je crois que vous avez un rôle très important sur le Tour de l'avenir. Vous, c'est le village. Vous fournissez tout ce qui est modulable et tout ce qui est tente pour le départ. Oui, c'est ça. Donc Vitabri est un fabricant français de tentes pliantes à déploiement rapide. Et on s'est associé au Tour de l'avenir pour une période de 3 ans. Et c'est notre première participation. Vous êtes situé où, la société, le siège? La société est située à Besançon. Oui, en Doubs. Donc on a 35 personnes sur le site de Besançon où on conçoit et on fabrique nos tentes. Satisfait de tout le décorum, c'est vraiment magnifique, hein, les villages départ, les villages arrivés tout au long de ces 8 jours. Oui, alors l'idée c'était effectivement d'associer notre savoir-faire de fabricant français de tentes professionnelles à l'organisation professionnelle du Tour de l'avenir. Et je crois que l'assemblage des deux fait quelque chose de très intéressant. Eh bien, profitez bien de cette journée qui va nous amener au lac d'Aiguebelette. C'est l'une des plus belles étapes qui est proposée aux coureurs. Merci à Emmanuel Messner, la société Vitabri. Et on va enchaîner avec monsieur Jacques Debord, l'adjoint au maire et président des maires du Rhône, qui va venir nous rejoindre. Alors, adjoint au maire, monsieur Jacques Debord. Bonjour. J'imagine que la Tour de Salvani est heureuse d'accueillir le Tour de l'avenir. La Tour de Salvani, c'est une commune qui aime bien le vélo. Et ASO aime bien la Tour de Salvani. Un mot sur cette journée. Donc, vous avez mis les petits plats dans les grands. Il y a de nombreuses associations qui ont rejoint la municipalité. Alors, les bénévoles et les signaleurs viennent du club VTT, du club cyclo. Et je vais vous faire un petit peu l'historique de ce qui se passe dans ce village. En juin 1999, le Dauphiné est arrivé à la Tour et est parti le lendemain de la Tour avec un champion qui, à l'époque, était Christophe Auriol, qui avait roulé avec AG2R. Le 13 juillet 2013, village VIP à la Tour sur l'étape de Saint-Pourçain-Lyon. 14 juillet. C'était le 13 juillet. 13 juillet, oui. Le 8 juin 2017, mon ami et copain Bernard Thévenet est venu nous faire un départ du Dauphiné, la Tour-Mâcon. Et là, aujourd'hui, 24 août, eh bien, c'était la pagaille parce qu'on nous a compressé les horaires, mais on a eu action et réaction et on a fait tout notre possible ce matin pour que vous puissiez avoir un départ vraiment au top. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de travail durant ces dernières heures puisqu'on a su tardivement hier que le départ était avancé à 10h30. Merci. Vous saluerez monsieur le maire de notre part, bien entendu, qui ne doit pas être très loin. Hein, Il sera là au départ et moi, je pars avec Bernard Hinault dans 10 minutes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Oui, allez-y. Vous êtes attendu du côté du podium. Alors, nous avons monsieur Jean-Robert qui nous rejoint, le directeur général des Eaux de Saint-Géron qui vient nous rejoindre. Alors, nous, on avait les petites bouteilles et Jean-Robert nous a amené le grand modèle. Prenez votre micro. Bonjour, bonjour Président, on va déjà situer Saint-Géron, on est au cœur de l'Auvergne. Oui, mais ça marche, ne vous inquiétez pas. Alors, oui, donc Saint-Géron est au cœur de l'Auvergne, donc Brioude, Haute-Loire, donc dans un petit village qui s'appelle Saint-Géron, 250 habitants, dans une région, je dirais, très verdoyante malgré la sécheresse actuelle. Et donc qui momentanément n'est pas trop impacté par les problèmes de sécheresse, étant donné que nous avons une source qui fonctionne depuis déjà des centaines d'années. Et c'est une eau qui est très profonde, donc qui est à peu près à 150 mètres de profondeur, et qui à ce jour n'est pas impactée par les problèmes de météo. Voilà. On parle justement de vos eaux, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Alors, notre eau est une eau qui est naturellement gazeuse. On fait partie des dernières eaux qui sont naturellement gazeuses actuellement et qui sont commercialisées en bouteilles vertes, principalement dans la restauration. Donc, c'est un produit qui est aussi zéro nitrate, zéro pesticide, donc très pur et qui contient aussi beaucoup de magnésium. Donc, c'est un produit qui, effectivement, est intéressant, en particulier dans le cadre d'activités sportives. On parle de votre association avec le Tour de l'Avenir.
Alors pourquoi le Tour de l'avenir? Nous sommes intéressés effectivement par tout ce qui est action dans le domaine du vélo, étant donné que le vélo c'est de l'individualité, mais c'est aussi un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner si on ne fait pas partie d'une équipe qui effectivement vous soutient. Et donc ce sont ces qualités de solidarité, de qualités de sportives de haut niveau qui font que nous sommes intéressés par cette association avec l'activité dans le domaine cycliste. Et puis juste à côté de Saint-Géron, puisqu'on est aux confins du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, vous avez un grand champion qui aime vos os, c'est Romain Bardet. Hein, vous êtes à quelques kilomètres de Brioude. Exactement. Voilà. Donc nous sommes aussi en association avec le vélo sport brivadois, donc qui effectivement comprend entre autres, je dirais parmi ses adhérents, Romain Bardet. Donc on est très heureux de participer à toutes ces épreuves qui sont des épreuves compliquées, dures, mais où, je dirais, les sportifs se subliment, comme Saint-Géron. Très bien, ben merci voilà. beaucoup à Monsieur merci. Robert, donc le président des eaux de Saint-Géron, Jean-Robert, qui était à nos côtés et qu'on remercie de sa présence. On va d'ailleurs tout de suite vous montrer en image les eaux de Saint-Géron. Un, deux, trois. Et nous nous retrouvons sur le plateau et nous passons à la course désormais au côté sportif avec Bernard Hinault qui nous a rejoint. Bonjour Bernard. Bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. On va tout de suite présenter l'étape du jour, la tour de Salvani en direction du lac d'Aiguebelette, un peu plus de 138 km. Bernard, les coureurs ont eu les premières difficultés hier. On va monter crescendo en direction des Alpes avec cette arrivée musclée autour du lac d'Aiguebelette. Oui, on a avancé un petit peu l'étape parce que déjà pour la chaleur. Et il y a 138 km, donc ça devrait pouvoir se faire sans trop de problèmes. On a deux difficultés sur le final, très rapprochées, et je pense que c'est ça qui va jouer le plus. Parce qu'avant, je ne crois pas, mais déjà hier, quand on a vu sur le premier passage sur la ligne, au bout de 30 km, il y avait déjà des lâchés. Peut-être qu'aujourd'hui, on aura encore des surprises. Hein. Les dégâts ont été impressionnants hier. Hein. Le peloton a volé en éclats entre la chaleur, ça roulait vite, et puis une étape très nerveuse, comme vous l'avez dit hier matin, étape raccourcie, mais étape plus nerveuse. Automatiquement, et puis là, on a des coureurs qui se comportent bien, qui sont vraiment en super forme, donc ils ne se posent pas de questions. Et quand on voit cette arrivée, ça a quand même été très dur. Ils ont roulé fort, et je pense qu'on va retrouver les mêmes conditions aujourd'hui. Et puis, dernière chose, vous faites partie de l'organisation. Coup de chapeau à toute l'organisation parce qu'on a appris en début d'après-midi hier qu'il fallait partir ce matin à 10h30. C'était la seule solution pour que l'étape ait lieu. Tout le monde s'est mobilisé, même les équipes ont dormi très loin. Donc, il a fallu changer les plans et tout le monde a vraiment à jouer le jeu. Oui, c'est fantastique. Bon, je pense que tout le monde est bien concerné. Si on n'avait pas pu faire l'étape, peut-être que certains n'auraient pas pu gagner le Tour de l'avenir. Donc tout le monde s'est concentré sur ça et finalement, ça se passe très bien. Merci Bernard. Bonne étape en direction du lac d'Aiguebelette. Donc pour cette cinquième étape, la Tour de Salvani, lac d'Aiguebelette. Donc et le premier contact avec le massif alpin.
Et comme tous les jours, nous accueillons les coureurs avec le maillot à pois Alden de Loïc Bettendorf, le coureur luxembourgeois, multiple fois champion national. Loïc, le tour de l'avenir se passe bien pour vous ? Oui, jusque maintenant, ça passe bien. Aujourd'hui, encore quelques points à prendre. Mais le premier but pour aujourd'hui, c'est l'étape. C'est déjà bien que c'est un peu plus tôt. Ouais. L'objectif, c'est essayer de garder ce maillot jusqu'au bout. Je pense au plus tard demain, je vais le perdre dans les hautes bosses. Mais pour aujourd'hui, je pense que je peux l'encore garder. Et puis un mot sur votre directeur sportif, Franck Schleck. Ça, c'était peut-être votre idole quand vous étiez plus jeune. Ça fait quoi d'avoir un grand champion comme ça à vos côtés sur ce Tour de l'Avenir ? Ça doit être une motivation particulière. Oui, oui, c'est une grande motivation aussi qu'il est mon entraîneur à la maison. Et pour lui avoir comme entraîneur aussi pour la fédération, c'est une bonne chose. Et c'était toujours un idole pour nous. Très bien, merci Loïc d'être venu nous voir. On vous souhaite une belle étape et puis rendez-vous ce soir avec le maillot de la montagne au terme de cette journée. Merci. Voilà Loïc Bettendorf, donc le maillot à pois. Et on va accueillir, on arrive dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et on va accueillir Mathias Salonville, jeune coureur de la région. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors vous, c'est le premier tour de l'avenir. Vous êtes révélé, vous avez été champion Auvergne-Rhône-Alpes junior, puis révélé sur la Côte d'Or et le Rouennais. Il y a vraiment un cran supplémentaire avec ce Tour de l'Avenir. Ouais, c'est vraiment un cran supplémentaire. Je pense, on est là avec les meilleurs coureurs U23 du monde. Donc voilà, ça montre qu'il reste encore beaucoup à s'entraîner et qu'il y a des caps à passer pour être à ce niveau-là. Comment s'est passée cette sélection ? Vous l'avez appris il n'y a pas très longtemps, hein, ce n'était pas forcément prévu au calendrier. Ouais, c'est pas au début d'année, je m'attendais pas forcément à être sur le Tour de l'Avenir, je savais pas trop. Et puis finalement, je pense que la sélection se fait aussi par les résultats. Donc voilà, il y a eu des bons résultats tout au long de cette saison. Je pense que j'ai été plutôt régulier, donc c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Bon, l'idée, c'est durant les 4 jours qui restent, essayer de se glisser dans une échappée. Mais alors c'est vraiment compliqué parce que on en parlait en off tout à l'heure. Ça se fait vraiment à la pédale. On sort pas comme ça en facteur. Il faut vraiment être costaud. Ouais, c'est dur de pouvoir se montrer à l'avant de la course parce que ça roule vraiment fort. Et voilà, c'est un peu la loterie pour sortir. Et voilà, il faut compter ses efforts et essayer de les faire au bon moment. Aujourd'hui, je pense que je vais essayer de me porter vers l'avant. J'espère que ça portera ses fruits du coup et on verra ce que ça donne. Ouais, surtout que les étapes ensuite sont très courtes, donc les leaders vont tout de suite être en action. Ouais, voilà, en plus c'est des étapes de montagne, donc ça va être compliqué d'aller vers l'avant. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est le dernier créneau pour pouvoir se montrer. Eh ben, très bien, on vous souhaite de se montrer et puis plein de belles choses pour cette journée et les 3 suivantes. Merci Mathias d'être venu à nos côtés. Vous saluez Fred Macaudière, votre directeur sportif qui vous encadre et toute l'équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Mathias. Et dans quelques instants, on va vous proposer comme d'habitude de rentrer en immersion dans le Tour de l'Avenir avec la vidéo Inside, mais juste avant, une pause partenaire.
Et de retour sur le plateau de la Tour de Salvani qui nous accueille donc pour ce départ. On rappelle hein, l'information du jour, la préfecture du Rhône et celle de l'Ain qui ont demandé à l'organisation d'avancer de 2 heures cette étape. Donc arrivée prévue si vous voulez vous rendre au lac d'Aiguebelette aux alentours de 14h, 14h15 aujourd'hui. Donc arrivée avancée, départ avancée de 2 heures, départ dans un petit peu moins de 10 minutes à 10h30. Je vous propose tout de suite, c'est un des temps forts de notre magazine, de nous replonger dans l'étape d'hier, vidéo inside, comme si vous étiez sur le vélo et sur cette 4e étape qui nous conduisait à Ivo-les-Bains. Bonjour Thomas. Bonjour Claude. Bienvenue à Cassel. On est au cœur du championnat de France de cyclisme dont le CIC est partenaire. Je te propose d'aller faire une petite reco du parcours justement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le CIC et le vélo? C'est une histoire qui a commencé il y a une dizaine d'années. On a commencé d'abord par une très belle course dans l'ouest de la France, le Grand Prix de Plouay, qu'on a accompagné parce qu'on trouve que c'est une très belle course. Petit à petit, on a étoffé notre portefeuille, donc je ne vais pas tous les citer, mais aujourd'hui, on a les 4 jours de Dunkerque, le CIC Mont-Ventoux, des courses féminines aussi, comme par exemple Bretagne des Dissous. En France, en fait. Non, pas toutes, mais on essaye d'être voilà, dans toutes les régions avec des courses, et donc on a étoffé notre portefeuille. Et surtout en 2019, on a commencé notre partenariat avec la Fédération. Voilà, voilà exactement, avec sur le maillot CIC. Voilà. Et on a eu la chance, voilà, depuis 2019, d'avoir quelques succès dans les grandes courses. Hein. Étiez pas étranger voilà, pour la course, et on l'a aussi en mountain bike. Donc c'est très important, ce soutien global au cyclisme pour nous. Donc Claude, le CIC, c'est pas que le cyclisme à haut niveau. Vous êtes aussi très motivé pour l'enjeu des mobilités au sein du CIC. Tout à fait Thomas, on n'est pas que sur les courses. On veut aussi faire du vélo une grande cause nationale, et on essaye à notre modeste échelon d'y contribuer. Donc par exemple pour les salariés, on a proposé un forfait mobilité durable de 700 euros pour les aider à s'équiper en mobilité douce. On met en place tout un tas d'ateliers, on va dire remise en selle, pour ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre au vélo et qui hésitent un petit peu, que ce soit pour les salariés ou pour les clients. On met en place aussi des ateliers de réparation sur tous nos sites pour nos salariés, pour leur permettre d'entretenir gratuitement leur vélo. Et puis surtout, vous l'avez certainement vu récemment, on a lancé un prêt à 0% pour financer tout vélo jusqu'à 6000 euros, qui est ouvert aux clients du CIC, mais bien sûr à tous les prospects. Bon, on met le casque et on va voir ce circuit. Super. Mais dis-moi, tu as l'air encore bien affûté. J'ai arrêté ma carrière sportive il y a 6 ans, donc je m'entraînais avant. Aujourd'hui, je fais des balades à vélo, mais je prends plaisir à y aller quand j'ai un petit peu le temps. J'y vais plus 6 heures, j'y vais 2 heures, 2 heures et demie. Parce que je suis consultant pour la télévision, je suis sélectionnaire de l'équipe de France et puis je suis entre autres ambassadeur du CIC. Donc je vais quelques journées avec des collaborateurs, des clients et puis on passe des bons moments comme sur ces 4 jours du championnat de France. Et puis donc ça remplit bien, ça me permet de rester dans cet univers vélo parce que j'aime ça depuis l'âge de 13 ans. J'ai entamé ma reconversion après ma carrière sportive là-dedans et puis j'aime bien ce que je fais. Donc voilà, tout va bien. La prochaine échéance de l'équipe de France, des équipes de France, puisque en 2023, pour la première fois, il y a toutes les disciplines qui sont réunies pour les championnats du monde avec 13 disciplines à Glasgow. Eh ben, on souhaite vraiment bonne chance à toutes les équipes de France aux championnats du monde de Glasgow. On croise les doigts. Et dans quelques instants, le départ de cette 5e étape entre la Tour de Salvani et
le lac d'Aigbelette. On va rappeler le tableau d'honneur. Le maillot jaune est sur les épaules donc de Simon Dalby, le coureur danois. D'ailleurs, quatrième maillot jaune en l'espace de 4 jours. Tous les jours, il y aura eu un changement de maillot jaune dans ces 4 premières journées. Riley Pickerel, le vainqueur de l'étape de Chinon, porte le maillot vert aux couleurs de Biofuel. Le maillot blanc à pois rouge, Alden, et sur les épaules du Luxembourgeois Loïc Bettendorf que nous avions à nos côtés il y a quelques minutes. Le maillot blanc sous l'égide de Détriche donc, est porté par Mathis Rondel par procuration puisque Simon Dalby est dans ses 2 premières années espoir. C'est lui le leader du classement du meilleur jeune, mais bien entendu, il n'a pas les 2 maillots. Et puis, petit clin d'œil également à Mathias Salanville. On s'est retourné tout à l'heure. Il nous disait qu'il avait l'idée de prendre la première échappée. Eh bien, Mathias Salanville, dès qu'il a quitté le plateau, a été se positionner donc sur l'avant du peloton pour ce départ fictif. Voilà pour cette cinquième étape. On rappelle les horaires pour les 2 prochains jours. Demain, nous nous retrouverons à partir de 13h pour l'étape qui partira de Miribel en direction du col de la Loz. Et puis, dispositif particulier samedi, puisque nous aurons un contre-la-montre individuel le samedi matin qui nous amènera au Carélis. L'après-midi, nous repartirons des Carélis en direction du Mont-Cenis. Donc, l'émission aura lieu entre les 2 étapes. Et nous nous retrouverons aux alentours de 14h pour cette émission de samedi. Voilà dans quelques instants le départ de cette étape. Merci à tous de nous avoir suivis. On attend le décompte avec François Belet, les élus et puis bien entendu le collège des commissaires de l'Union cycliste internationale qui prépare bien entendu ce départ. Nous partons pour 138 km et comme vous le disiez Bernard Hinault, alors on va tendre l'oreille, départ qui approche. Comme le disait Bernard Hinault, un final musclé avec 2 ascensions situées dans les 15 dernier kilomètre, quelques secondes encore avant le départ. Alors je pense que voilà, 1 minute pour le départ. Merci à tous de nous avoir suivis. On va vous laisser vivre le départ de cette 5e étape. Et beaucoup de monde ce matin. Je ne sais pas si c'est l'effet d'avoir avancé le départ à 10h30, mais beaucoup, beaucoup de monde à la Tour de Salvani. C'est un véritable succès populaire tous les jours sur les routes de ce Tour de l'Avenir dans quelques instants. Donc, le départ de cette 5e étape. Et là aussi, vous en avez l'habitude désormais. Les différents maillots de leader sont sur l'avant du peloton. 30 secondes dans quelques instants le départ. Alors on a 2 infos. 1 minute sur Radio Tour et 30 secondes du côté de François Belet. Je vais poursuivre mon collègue. Je vais suivre mon collègue qui annonce les 15 dernières secondes. Et le décompte dans quelques instants. Départ de cette 5e étape du Tour de l'Avenir, 59e édition, la Tour de Salvani, lac d'Aigbelette. C'est parti pour les coureurs de ces 27 formations, 26 nations, plus le comité Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de nous avoir suivis et à demain pour la suite de ce Tour de l'Avenir.